Eh bien, salut tout le monde, c'est Mentalis. Et aujourd'hui, amis, nous nous retrouvons pour le 25e épisode de nos aventures de Pokémon Méga Donjon Mystère, ou dans Pokémon Méga Donjon Mystère, comme vous voulez. Du coup, la dernière fois, on s'est heurté à une armée de monstres, où j'ai bien fait de me pointer avec des milliards et des milliards et encore des... Encore des milliards de Pokémon très haut level. Parce que sinon je me serais fait wreck, ça c'est clair. Ils étaient vraiment beaucoup trop puissants. Et aujourd'hui nous allons de l'autre côté de la mer. Avec un archéoptique, c'est pas volé. Le lendemain matin. Allez tout le monde au travail. Ouais. On va aller valider nos points auprès de... Oui, on va à l'embarcadère. Ouais, mais j'ai tout ça, j'ai des trucs à faire. Oh, une bourre, nice. Allez. Ouais, mais j'ai visité un nouveau donjon. J'avais jamais fait celui-là, je crois. 3 égale des milliards, 2 milliards, 2 milliards. Exactement, Grégo. Putain, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi t'es en PLS? Oh là là, j'espère qu'au courrier, il n'y aura rien arrivé. Ça m'embêterait de devoir le sauver. Personne qui se pose des questions? Ok. T'as rien pour moi, toi? Ok. Adieu. Apparemment, il m'en manque. C'est tout ce qui compte. Pourquoi t'es en blanc, toi? Ok. Alors, on va déposer des objets parce que maintenant, du coup, c'est le bordel. Combien de pommes? Une seule pomme. Il faut que je retire une pomme. Voilà. Qu'est-ce que... Ça aussi, il faut que je le dépose. Ok, ça a l'air bon. Ok. Est-ce que tu vois un truc intéressant, toi? Ouais, des mini-résugraines, je vais en acheter. Hop là. Ah, l'inventoring, c'est très important, les amis. Non, c'est l'argent. Retire. Écoutez, vous savez quoi, on va faire une petite ellipse le temps de faire tout ça, donc à de suite. Et on y retourne. Hop là. Avançons vers notre destin. Alors, qu'est-ce que tu veux, Loclas? Est-ce que tu trouves un truc spécial? Allez. Allez. Ah ben voilà, nickel. Un passeport. Ah oui, c'est vrai. Bon, qu'on m'écoute. Avec ses maigres économies. Allez. Oh, y'a Latios. Je n'en puis plus. Lac temporel. Ah, ils vont demander un coup de masse à les B. Ouais, on continue. Ouais, on continue.
Ouais, Tiosetias. C'est toi l'explorateur, t'es censé le connaître cet endroit. What the fuck? Une nouvelle ville? Ah ok, ça me file. Ah d'accord. J'ai compris le principe des passeports. Param les vents, ok. D'accord. Je vais voir combien coûte un passeport. Ah bah non en fait. Ok, alors ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Personne qui se pose des questions. Oh non mais Yassim Yabraz, s'il vous plaît. Toi t'as un pour moi, espèce d'escroc. Ok, va crever. Oh! Papa! 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 Attends. On va essayer de te faire regarder par là. Voilà, nickel. Voilà, attendez. Je prends un screen. Papa! Bon, nickel. Bon, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a en haut. Oh, tiens, toi. Le maître d'un étang. Bah, vas-y, raconte. C'est dégueulasse. Petit Fury, sois adorable. Tous les ennemis tremblent face à moi. Mais t'es trop chou. Putain, ils ont oublié de faire sa texture dans le dos, je crois. Qu'est-ce qui se passe? On se casse. Bah oui, j'avoue. Ah d'accord, ça arrive dans le coin. D'accord. De la bête enflammée. Thank you.
D'accord. Ok. Je pense pas que ce soit lié. Un Pokémon légendaire enflammé. Il y a Sulfura, Entei. Bah non, Groudon il a que dalle d'enflammé. Tiens, Gloopy a toujours son problème de texture dans le dos. Allez, on y va. Ok. Laissez-moi juste sauvegarder, s'il vous plaît. Oui, merci, Grégo. On a compris que tu connaissais le jeu. Pas à peine de dire. Ah, je vais rien dire pour ne pas spoil. Ça commence à être relou. Oh oh, non, il est pas enflammé, il a des il a juste des de magnifiques plumes, mais il est pas enflammé. On va essayer de pas provoquer plus de combats que nécessaire. Hein. Bam! Bam! J'ai rien contre toi. Mort sûr. Non mais. Ouais, donc en fait au final un Pokémon embrasé reste que Sulfura, sauf qu'ils auraient dit un machin qui vole quoi, non? Utiliser. Aïe. Ok. Ok. Voilà. Morsure. Allez, go. C'est pas, donc ce évidemment au centre. Évidemment. Contamination. Utiliser. Allez, go. On y va, attendez un instant.
Désolé. Alors, du coup, où est-ce qu'on était? Au moment où il y avait un gloopty qui arrivait. Ok. Bon. Amnésie, ouais, ok. Ils ont tout compris, Pokémon. D'ailleurs, Samchi, j'ai une question. Comment on peut savoir à l'avance si une attaque va être indirecte ou directe? Enfin, je veux dire si elle va toucher de loin ou pas. Parce que bah, je pensais que les attaques indirectes touchaient de près, de loin, et les attaques directes de près, mais en fait, c'est pas le cas. C'est quoi? Enchaînement? Utilisé. Donc tu pouvais me dire. C'est un vieux Limagma. Bah non, ça peut pas être un Limagma, parce qu'à mon avis, un Limagma est pas capable de poutrer des Pokémon légendaires. À mon avis, hein. Force DB utilisé. Et j'ai eu un autre objet. Oui, je sais, j'ai pas pied sur B. Anti-brûlure. Allez. Alors, je pense qu'on va juste tenter de rush le donjon parce que je pense qu'on a un level suffisant pour avancer en soi. Alors. On va juste récupérer les miettes là. Voilà. C'est quoi? Puissance Y. Ah ben voilà! Ah non, pas un cocotine! Certir. Qu'est-ce que j'ai contre toi? Photocopie! Attends, mais ils sont combien là? Bon, s'il te plaît, meurs. Ils sont relous, hein. C'est bon. Ouais, on avance. Dans le menu, tu as la capacité avec le détail, c'est marqué. La portée. Aura sphère, c'est 4 cases. Tu attaques 2 cases. Ah bon. Alors, tu m'as dit dans le menu. Capacité avec le détail. Ok, ouais, d'accord. Portée 2 cases. En face, en face, en face. Et bon, en face, on s'en fout. 4 cases, 2 cases. Ok, d'accord. Toi, t'as quoi? 2 cases en face. En... Non, ça, ok. Ouais, effectivement, vaut mieux que tu dises pas reflet et atterrissage, sinon on n'est pas prêt d'avancer. Ok, merci, Samchi. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Eh ben, moi aussi. Ah, d'accord, je vais me faire foutre en fait. Help! Ok. Meurs, s'il te plaît. C'est armé de mobs? D'accord, super, en plus je suis en pause. Un coffre! Dégagez tous! C'est mon coffre! Au son efficace. Top Pokémon soit aussi protégé contre le statut gel. On s'en fout! Donnez-moi mon coffre! Je me lance. Mais ramasse-le! Bah. Ramassez! Le sac est... Quoi? Pourquoi je suis déjà plein? Mais attendez, mais qu'est-ce que je fais avec 20 000 résus graines? Je me suis pas vidé en fait. Ouais, je me suis pas vidé. Ok, du coup, on va manger cette pomme. Et donnez-moi mon coffre. Allez. Coup de main, d'accord. On va laisser faire. Vampigrain, oh c'est bon. Archéopti, il va adorer se faire sucer. Attendez, vous savez quoi les gens? On va faire une toute petite ellipse. Hop là. Heureux, désolé. Il y a eu un petit pépin technique. Voilà, du coup, on reprend. Du coup, ouais, j'ai utilisé l'enregistreur en fait et... Ok. Hop là, et vous voyez que ça fait un truc spécial au sol. Donc je crois que c'est une case sur laquelle on pourra retourner pour sauvegarder, on vérifie. Oh oui. Ah cool, on peut utiliser l'infini par contre après. Ok, allez go, on y va. On est toujours censé explorer la zone, trouver le Pokémon flamboyant. Putain,
Riolu est complètement bourré. Vivement qu'il évolue. Hein. J'espère que ça arrivera vite. Hein. C'est pas par là, évidemment. Allez, nice, somnifère. Ok, on va se l'équiper de suite. Somnifère, certir. Donc en fait, apparemment, ce somnifère permet d'endormir les Pokémon ennemis quand on frappe. Nice. Enchaînant plus somnifère, lui, il a vraiment pas eu de bol. Forte paume. Bah. Non, mais non, mais s'il vous plaît, please, quoi. Broche confusion. Allez, go. Oui, on continue. Quel étage? J'ai l'étage 6. Espérons qu'on va bientôt arriver à la fin. Zénith, cool. Bah. Meurs, s'il te plaît. Aïe! Ouais, pas du tout craqué, effectivement. Super critique. Des attaques super efficaces. On va sortir ça sur celui d'Erika. Allez, prends ça. Boulet, va. Bam. Bam. Attends, tu l'as toujours pas tué? Bam. Ok, on va pas y aller. C'est quoi? Ah mince, le sac est plein. Objet. Qu'allons-nous manger? Voilà. Objet, du coup. Enchaînement. Sertir sur celui d'Erika. Me demande si quand on fait un. Une attaque lien slash combo slash truc bizarre, il y a moyen de faire un. Qu'on s'appelle de faire un enchaînement dessus. Ok, alors toi, je m'en fous. Je viens d'obtenir un truc, mais je sais pas ce que c'est. Sans doute des lingots. Meurs. Dodo, voilà. Vive attaque! Tuez-le! Ok, c'est encore des lingots. Décidément. Je pensais que c'était rare. De quoi méga gemme? Utiliser. Non, ça c'est encore une fois c'est pour éviter d'être empoisonné, mais je m'en fous en fait. Meurs! S'il te plaît. Mais il fait dodo. Explograine. Échanger. Qu'est-ce qui me sert à rien? La blessure, je m'en fous. Du coup, on va manger des objets. On va manger une pomme par exemple. Donc de quoi méga gemme, j'ai pas compris à Swim. Oh non mais j'y crois pas, j'ai un tableau des types quoi. Alors, de quoi vais-je me débarrasser? Bon, on va manger toutes les pommes. Hop là, ouais, je vais même en manger d'autres. Quoique, y'a pas rien que. Pff,
Putain, j'ai trop de trucs sur moi. T'as le tableau à siphon. Ouais, très certainement. Enfin, encore, apparemment, il l'utilise pas souvent. On va attendre. Allez, on va attendre. Mais lance rafale psy, espèce d'abruti. Ok. On va pouvoir y aller parce qu'il me semble que c'est le X qui me manquait. Effectivement. Allez, on avance. Donc j'ai X et Y en puissance, ce qui fait que j'ai un boost de précision en plus d'un énorme boost de puissance. Objet rétro-sommeil, on va le manger. Libégon type plante. J'avoue que le libégon type plante, à mon avis, va rester très longtemps. Par contre, j'étais très déçu parce que dans sa fameuse vidéo, personne n'a parlé de TGF. Ah, je suis méga déçu. D'accord, hop. Erika empoisonné, c'est génial. Téléporte tes alliés à côté de la cible. Et pas utilisateur. Ok. Ça c'est par contre c'est vraiment OP donc on va essayer de le garder. De quoi est-ce qu'on va se débarrasser? J'ai beaucoup trop de mini-res Ukraine quoi. Je sais pas Iki. Sans doute une référence. Je vais manger des pommes, écoutez. Non, j'ai vraiment beaucoup trop d'items là. Voilà. Vous allez où les gars là? Ah, bah c'était pour ramasser une pomme. Oh, c'est gentil. Justement, je me disais que j'en avais pas eu assez encore. Alors, ah, étage suivant. Comme ça, Erika sera plus empoisonnée. Ah bah c'est fini, ok. Oh non, c'est juste une pause. Ah d'accord. Il est tout dur. déjà qu'avec sa tête, voilà, on pourrait penser que c'est tendancieux. Ah, c'est Latios. Je sais pas comment il fait la différence entre Latios et Latias, mais. Allez. Bah ouais, il nous a laissé tout seul, ça bougie. Tiens, c'est plus clair, ouais, bah. Comment tu veux qu'on sache? Ah merde, ce. La tiasse aussi y a eu droit. C'est des jumeaux, évidemment. C'est qui? Ah, on va enfin savoir qui c'est. Yeah, j'avais raison, c'était Entai. Donc maintenant du coup je me pose la question, qu'est-ce qu'Entai fout dans le coin? Vous êtes venu vous assurer que la pacification avait fonctionné. On va devoir se battre contre Entai. Cool. Nice, allez go. On se faire défoncer. Allez. On paraît qu'il va se faire défoncer.
l'oiseau qui ne s'est pas volé. C'est abusé la téléportation. Pourquoi il apprend pas à attaque téléport? Je suis sûr qu'on l'aurait défoncé. On a tellement un gros stock d'explograines sur nous. C'est moi ou Erika était en train de faire des vapouilles là sur la fin? Quelle dure journée! Mais non, je plaisante, ouais, forcément, ils ont... Ouais, ils ont bouffé comme des porcs, évidemment. Antaï, c'est pas un darsal, quoi. C'est Bob, il s'est porté pendant les flammes. Tout à fait, Iki. Tiens, c'est quoi ce bouquin? Tu peux savoir ce que c'est le bouquin? Ouais, t'es censé... Ouais, cool. Allez! Faut dormir. Oui, voilà, c'est ça. Bonne nuit. Du coup... Ah non, on sauvegarde pas, toujours pas. Par contre, du coup, Jirachi va être une des cibles, non? Tant que j'y pense. Allez. Ça y est, il fait une crise d'épilepsie. Il a faim. Ok, bon bah oui, ça marche aussi. Allez. Bah oui, pour le moment, laissons couler jusqu'à ce que ça devienne catastrophique. Allez. Ah d'accord, donc Faramp est partant pour arrêter Entei. D'accord, bah go. Allez, bah du coup les amis, c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et donc on se retrouve très bientôt pour la suite. Il a son téléphone qui sonne en petit fort, c'est tellement ça. Allez, salut tout le monde. Et à mon avis, le prochain boss sera Entei.